أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La présente vidéo est une lecture d'un post de blog daté du 24 février et intitulé Al-Insan Al-Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Insan Al-Kamil. Cet homme parfait qui a habité, animé l'enveloppe charnelle connue sous le nom de Aboul Qasim. Mais au-delà de ce corps, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien cet esprit pur de l'homme universel que tu devrais être, esprit pur que tu portes au plus profond de toi, homme universel que tu es en puissance. Prononce une seule fois ce nom, Muhammad, et tu réveilleras cet esprit qui sommeille en toi. Comme un souffle lève un coin du voile qui occulte la lune et laisse filtrer sa lumière. Prie sur lui autant que tu peux, et ce voile finira par s'effacer totalement, comme une brise chasse les nuages et révèle la pleine lune, laissant sa lumière t'envahir complètement, de l'intérieur. Alors tu seras noyé dans cette lumière, l'esprit mohammedien aura irrigué ton cœur, et tu seras en prise directe avec la lumière source. La lumière du soleil qui se reflète sur cette lune, notre lune, Kramaloun. Et par cet esprit muhammadien qui t'habitera, par cette lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont tu déborderas, tu seras à ton tour le relais de la lumière divine. Une interface à la lumière propre, la lumière de Sayyidina Muhammad ainsi que ses dérivés est une lumière propre, mais faite et nourrie de la lumière d'Allah, lumière sur lumière, Nourun ala nour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.